Alors bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur pour un tuto socle, le quatrième je crois ou le cinquième, je sais plus, il faudrait que je regarde, sur le thème le socle jungle. Alors j'avais posé la question sur le tuto précédent, j'avais proposé un choix entre jungle et entre un tuto jungle et un tuto socle forestier. C'est le tuto jungle qui a remporté à l'unanimité. Je m'en doutais un petit peu, mais vous inquiétez pas, il y aura un socle forestier quand même de prévu par la suite, ultérieurement. Voilà. Alors, ceci dit, on y va. Alors, j'ai avancé un petit peu pour gagner du temps, hein. Sinon, le tuto, voilà, ça ferait un tuto sur des plombs, mais c'est pas le but. Alors, ce que j'ai fait. En un premier lieu, j'ai basé le socle avec de la pâte à texturer. Voilà, bidon, hein, voilà, moi j'ai pris de la pince Auguste, terre sombre. Ensuite, j'ai posé une petite racine. Quelques petits cailloux, enfin quelques petits graviers que j'ai encore ensuite émietté, très léger, hein, très très léger, et que je dis pas de bêtises, c'est tout. Voilà, pour avancer un peu le travail. Ensuite, j'ai sous-couché en verre. Alors j'ai utilisé le matte Surface Primer de chez Greenstuff World. J'ai utilisé ça pour un socle jungle. On va partir sur un fond assez verdâtre. Et après, j'ai ombré un petit peu la partie terre. Et là, j'ai utilisé de l'ombre brûlée, enfin du Burn Umber, c'est de l'ombre brûlée de chez Prince Auguste. Voilà. On aurait pu utiliser n'importe quel marron, n'importe quel vert. Ben, le but, moi, c'était pour distinguer sur le socle la partie verte des parties marron. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. J'aurais très bien pu prendre autre chose comme couleur. Voilà. Ceci dit, là, ce qu'on va faire, on va travailler le socle avec beaucoup, on va utiliser du flocage. Et des washs, des lavis, des jus, hein, comme on dit. Et voilà, on va travailler ça pour en arriver à un socle comme ça. Hein, c'est un socle que j'ai terminé dans la semaine. Ce sera pour une, là, en l'occurrence, c'est pour des Séraphons, une équipe de chez Underworld, qui sont en cours. D'ailleurs, ils sont en cours de peinture. Je les ai pas finis, hein, j'ai beaucoup de choses à faire. Ils avancent, ils iront dessus. Je vous ferai une photo globale de l'ensemble quand j'aurai terminé. C'est l'occasion pour moi, ben, d'avancer sur les socles. Vous voyez? Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, j'avais préparé plusieurs socles. Vous voyez, j'avais fait plusieurs socles. J'en ai même fait un avec des dalles. Mais on va pas faire celui-là, il est trop grand de toute façon. Et puis, ça prendrait trop de temps. Mais de toute façon, le principe est exactement le même. À savoir que j'en ai fait aussi avec des reliefs. C'est-à-dire, alors c'est pas compliqué, j'en ai fait que des reliefs. Alors c'est très facile à faire. Quand vous faites des reliefs sur le sol, petite astuce, vous prenez du. Si vous avez du liège, alors moi je prends du très fin, c'est du 2 mm. Prenez des petits morceaux, vous les collez, déjà ça vous fera gagner de la pâte. Ensuite, vous venez, alors vous les modelez comme vous voulez. Hein. En l'occurrence, moi ici j'avais fait des petits bouts ici, un petit bout là. Et après, vous venez mettre votre pâte à texturer dessus. Et vous allez obtenir un petit relief. Déjà, vous allez consommer beaucoup moins de pâte. Et puis ça va sécher beaucoup plus vite. Et en plus, ça donne un rendu très bien. Voilà. Alors en l'occurrence, j'ai choisi un socle assez plat. Le but de celui-là, ce sera de la végétation. Et en fait, après, pour vous, libre à vous de faire ce que vous voulez. Ça ne changera rien. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser. Alors, moi, je vais utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire de la poudre. Alors, ça, c'est du flocage. C'est de la poudre, vous voyez, c'est tout fin. On peut le réaliser soi-même. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça dans un magasin de maquettisme, modélisme. C'est pour les trucs ferroviaires. Voilà. J'ai trouvé ça dans un sac, je crois que j'ai dû payer une misère. Et voilà, et c'est de la poudre, c'est nickel. Alors, en même temps, d'habitude, quand je mets le flocage comme ça, j'utilise principalement de la colle blanche PVA. Mais là, pour la durée, ça va être très long à sécher, donc pour la durée de la vidéo, je vais utiliser de la super glue. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais simplement intensifier les parties vertes que j'ai mis. Voilà, à peu près partout, voilà, comme ça. Pas en mettre de trop malgré tout. Hein? Voilà. On va prendre une petite spatule pour étaler un petit peu la colle. Hein? Par-ci par-là, voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez? Parce que là, il n'y a rien de sorcier. Hein? Voilà. 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 De cette côté. Et puis on va saupoudrer un petit peu. Simplement. Par-ci par-là. Voilà. On remet du vert clair, du vert foncé, on s'en fout de toute façon. On va repeindre tout ça après. Donc de toute façon, moi je fais un mélange parce que j'ai deux grains différents. Maintenant, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du flocage classique. Hein. C'est pas un souci. Oh là 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 là.
Pas un souci du tout. Faut oublier que c'est un socle jungle, et donc c'est un socle comment, assez verdoyant. Faut pas oublier non plus, je vous ai déjà dit, quand vous faites des socles, basez-vous sur des vraies images. Moi, j'ai été voir sur internet, voilà, j'ai tapé végétation jungle, et je suis tombé sur des, voilà, tous des fonds terribles, quoi. Et ça vous donne plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Vraiment. Je vous conseille. Ensuite, alors, ce qu'on va faire, on va mettre maintenant, alors, on en a mis assez pour l'instant, on en verra tout à l'heure si on en remettra. Vous voyez, il en faut très peu, hein. Très peu. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser du flocage classique, hein, il n'y a pas de souci. Ça, alors, ou du thé, vous pouvez prendre du thé aussi. Là, en l'occurrence, moi, dedans, il y a du thé, il y a du flocage, je sais plus quoi, je sais même plus d'où ça vient. C'est un mélange que j'ai fait moi-même. C'est simplement, ouais, ça ressemble à des petites pailles. Ouais, c'est pareil, je crois que ça vient d'un truc de modélisme. J'ai simplement rajouté du thé vert dedans, que j'ai émietté. Je fais mon petit mélange moi-même, et c'est parfait. Alors, pour ça, on va en mettre un peu, même sur les parties marron. Vous voyez? On va en mettre quelques gouttes, là, je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. On va donner un peu de texture au socle. Un fond jungle, en fait. Tout simplement. On va pas en mettre beaucoup, hein. C'est léger. Voilà. On se gardera tout ça après. Vous voyez, avec la colle et tout, on voit plus rien quasiment. Ça commence déjà. On recouvre un peu le tout, hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même attendre que la colle. Vous voyez, pour l'instant, c'est que de la pose de flocage. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas grand-chose. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à poser des plantes. Poser tout ce qui est plantes et des fleurs, on les posera en dernier. Là, en l'occurrence, on va attendre que ça sèche, parce que même si c'est de la colle, comment dire, de la super glue, ça met quand même du temps à sécher. Donc, je reviens vers vous dans quelques temps, à tout de suite. Alors maintenant, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire avant tout, on va venir rehausser quelques parties du socle. En l'occurrence, on va venir rehausser la racine. Pour ça, je vais utiliser du terre foncé de chez Prince Auguste. C'est un marron assez clair, n'importe quel marron fera l'affaire. J'aurais pu utiliser un vert, de toute façon, ça va encore changer. On va venir rehausser un tout petit peu, voilà, comme ça les racines. Parce que là, elles avaient pris les couleurs qui ne me plaisaient pas trop. Voilà, il n'y a pas grand-chose, j'en ai pas mis 3 tonnes non plus. Voilà, on va remettre un petit peu de marron aussi sur les parties marron, très léger. On dessuie son pinceau à la manière d'un brossage à sec, très léger. On va venir reteinter un peu tout ça. Voilà. Voilà, et ensuite on va passer une encre verte sur les parties vertes. Moi, je vais utiliser une encre intense. Alors, faut savoir que normalement je l'aurais dû le faire, je le ferai à l'aérographe. Là en l'occurrence, tout est faisable au pinceau. Tout. J'ai bien tout. Moi je vais le faire à l'aéro, tout simplement pour gagner du temps. Alors l'encre verte, j'utilise simplement de l'encre verte foncée intense de chez Valero. J'aime beaucoup, enfin Prince Auguste, c'est pareil. J'aime beaucoup cette encre. Il y en a deux. Il y a vert foncé et vert classique. Vous pouvez mettre les deux. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez pour le mélange que vous voulez faire. Moi en l'occurrence, je fais une goutte, une goutte. Alors pour ça, je vais le faire à l'aérographe. Je reviens dans 30 secondes. Alors voilà, maintenant, une fois que j'ai passé l'encre et que c'est bien sec, vous voyez, j'ai simplement verdi un peu plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire un réo. Donc on va faire un brossage à sec sur les parties vertes, principalement, avec moi j'ai pris ce que j'avais, donc j'ai pris du sable clair de chez Prince Auguste. On peut prendre aussi de l'ivoire, pas du blanc, évitez, du gris. D'habitude, je prends du gris, mais j'en ai plus. Donc voilà, on va faire un petit brossage à sec. Alors, hop, vous savez tous comment ça fonctionne. On va passer ça sur les parties vertes et on va venir rehausser un tout petit peu le vert. Vous voyez? C'est pas compliqué. On caresse, hein. On frotte pas, on n'y va pas comme un bourrin, on caresse. On dépose la peinture dans un sens et dans l'autre. Voilà, vous voyez? Voilà. Voilà. Alors tout ça, on peut en mettre un petit peu sur les parties marron. De toute façon, c'est pas grave. On va encore rehausser tout ça. Vous voyez, ça va tout seul. Vous allez faire un beau petit fond de jungle. C'est plutôt sympa. On va insister plus de ce côté-là, peut-être. Voilà, on va venir tapoter. Par endroits, vous insistez, vous tapotez comme ça. Voilà. Voilà. On va laisser comme ça. On va rincer le pinceau. Voilà. Alors, hop, voilà. Je vais attendre que ça sèche et je reviens. Alors voilà, une fois que c'est bien sec maintenant, ce qu'on va venir faire,
Surtout, il faut attendre que ça soit bien sec. Sinon, si vous attendez pas, tout va se mélanger, ça va être une horreur. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire des petits jus, des petits lavis, comme vous voulez. Je vais passer à un Antonian Camochet de chez Citadel. D'habitude, c'est rare que j'utilise. Ce pot-là, il doit avoir au moins 6 ans. 5 ou 6 ans. Oh ouais, facile. D'habitude, comment dire, j'utilise rarement les washs. Je les fais moi-même. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire des jus. je sais que ça paraît bizarre, mais voilà, je l'ai fait moi-même. En fait, un jus, c'est un lavis, quoi. Voilà. Bon, on va faire nos lavis. Alors, ici, j'ai mis du vert, donc du Antonian Camo Shade. Et là, ici, alors, j'ai fait un lavis, là, de la contraste, du Wildwood, du contraste Wildwood. J'aime bien ce marron, il va aller très bien pour les parties marron pour rehausser. Alors, on prend un vieux pinceau, hein, voilà, et on va venir mettre le wash ou le lavis, comme vous voulez, sur les parties vertes. On va teindre. On va commencer encore à donner des nuances différentes au socle. Alors, c'est pas une obligation en soi, mais bon, on va recreuser encore tout ça. Je le dis toujours, hein, plus vous passez de temps sur le socle, et plus votre socle il sera joli. Voilà, ensuite on va passer un petit coup de marron sur les parties marronasses. Voilà, hop, ici, hop, voilà, voilà, comme ça. Voilà, hop, voilà. Voilà, vous voyez qu'on distingue bien le terrain. On viendra venir faire après un réo encore pour rehausser un peu le toit. On attend que ça sèche et on revient. Alors, voilà que c'est bien sec. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va repasser encore du sable clair pour rehausser un petit peu les parties vertes. Donc, on va le faire tout doucement. On va garder le maximum de vert malgré tout. Hein, voilà. On va venir tapoter, voilà, comme tout à l'heure. Hop, voilà, un petit peu sur le marron, un peu partout. Voilà, pas plus, on va pas en mettre plus, ça sert à rien. Le but, c'est de pas recouvrir toute l'intégralité. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à décorer le socle. Alors, pour ça, je vais vous expliquer plusieurs choses. Alors moi, je vais utiliser de la photo découpe. Alors, c'est de la photo découpe, j'avais déjà testé ça il y a quelques années. Ouais, j'avais pris les premières qui étaient sorties chez Against the World. J'avais testé. Parce que je devais faire une armée. Une armée de. À l'époque, c'était. Que je dis pas de bêtises, c'était une armée Slaanesh avec un schéma exotique. Donc je devais faire les socles avec des socles. Bah voilà, des fougères et tout ça. Et tout et tout. Et j'ai trouvé ça, car j'avais 3 seekers à faire. Et j'ai trouvé ça, et franchement, j'ai pu faire des socles du tonnerre. Alors. Après, j'ai bidouillé un petit peu. C'est-à-dire, je les ai créés moi-même. Donc, ce que j'ai fait là, en l'occurrence, moi, pour ici, j'ai utilisé de la photo découpe en papier. C'est très chouette. Franchement, ça se travaille super bien. C'est un régal d'utiliser ça. Par contre, il y a des grandes tailles. Mais il faut savoir que dans la jungle, les plantes sont énormes. Les personnages, ils sont des fois plus petits. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de jungle, mais des fois, le gars, il est tout petit par rapport aux plantes qui sont à côté de lui. Alors, c'est pas démesuré. Par contre, sur des tout petits socles, on évite de mettre ce genre de choses. Parce que là, vous verrez plus votre socle. Donc, à ce moment-là, on fait juste un fond, d'accord? Moi, par contre, ici, je vais vraiment détailler. Alors, j'ai utilisé pour ça, j'ai utilisé de la photo découpe en papier. Alors, faut savoir qu'au début, la photo découpe, elle est comme ça. En l'occurrence, je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est du papier comme ça, c'est... brut, sévère, c'est pas beau, c'est affreux. Alors le but, c'est de découper tout ça. Alors je vais pas le faire là dans l'immédiat. Ça donnera peut-être l'occasion de faire un tuto là-dessus. D'ailleurs, si vous en voulez un là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai préparé mes plantes à l'avance. Alors, vous allez dire, ouais, mais il nous dit rien, et si, et ça, et patati, et patata. Mais si. Je pense à vous, mes gens, je pense à vous. Alors vous allez voir. Moi, je les ai peintes. J'ai utilisé les tons. Voilà, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. Alors, du vert infâme, mais peu importe, un vert foncé, un vert plus clair, et un vert vraiment péchu, quoi. Un vert qui est vachement flashy. Voilà, j'ai utilisé ces trois teintes-là pour faire toutes les peintures qu'il y a dessus. Ensuite, je leur ai donné des formes. C'est très facile à faire. Je vais vous faire voir. Alors, à la base, c'est fait pour ceux qui ont de la... Enfin, c'est recommandé de le faire à l'aérographe. Je peux vous dire que moi, celle-ci, toutes celles-ci, là, toutes celles qui sont ici, je les ai faites au pinceau. Celles-ci ont été faites à l'aérographe. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Alors,
Je vais vous faire voir. Alors, le seul truc, c'est que l'aéro, c'est mieux, c'est plus rapide. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous le faites au pinceau, il faut y aller délicatement. Mais c'est très réalisable. Je vais vous faire voir. Faut savoir que le papier, le. Je vais vous faire voir ici sur un petit modèle que j'ai ici. Voilà, je vais prendre ma palette. Alors, on s'en fout des dilutions, hein. C'est pas important. Le but, c'est de ne pas imbiber trop son pinceau d'eau, parce que ça reste du papier. Et il faut savoir que plus vous mettrez de la couleur dessus, eh bien, plus ça va devenir rigide. Vous voyez, ça va devenir vraiment rigide. Et vous allez voir, ça se peint tout seul. Alors, moi, je vais prendre mon verre infâme, voilà, ici. Alors, j'avais mis, avant tout, j'avais recouvert la feuille d'encre, parce qu'à la base, c'est beaucoup plus clair. Hein. Je voulais voir un verre un peu plus sombre. Ce qu'on va faire, bah, on va les peindre. Je vais vous faire voir qu'au pinceau, ça peut se faire facilement. Alors, on va partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va commencer à poser les couleurs. Alors, ça, je vais le faire devant vous en réel. Alors, ça va pas prendre plus de temps que ça, hein. Vous inquiétez pas, ça va très bien. En plus, c'est du papier, ça boit très très bien la peinture et donc ça sèche très vite, très très vite. Vous voyez, hop, voilà. Ensuite, on va passer au verre au-dessus et en plus, comme c'est du papier, le fondu se fait tout seul. Vous voyez, hop, voilà. Alors là, je le fais vite, hein. Je le fais vite pour la caméra. Pour vous, mais c'est pour vous faire voir que c'est réalisable au pinceau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un aérographe, mais il faut y aller mollo. D'accord? Il ne faut pas tremper trop son pinceau dans l'eau. Surtout, surtout, surtout. Ensuite, on va passer un autre verre. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. On peut le faire dans le frais, hein, pas de problème. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu, puis on remettra une petite couche. Alors, on attend que ça sèche et on revient. Alors, on va repasser une deuxième couche. On va reprendre le vert qu'on avait. Le plus clair, le plus foncé, c'est plus nécessaire. Et on va rééclaircir les extrémités en réduisant la zone d'application. Vous voyez? Voilà. On est encore que sur la même feuille que tout à l'heure, hein. J'ai pas changé. Vous voyez? Voilà. Je fais tout au pinceau, hein. Voilà. Ensuite, on passe le plus clair. Hop, voilà. Voilà. Et on arrête là. On arrête là. C'est largement suffisant. J'avais gardé cette feuille exprès pour vous faire voir que c'était réalisable au pinceau. Vous voyez, on va partir. Quand ça va sécher, ça va donner exactement comme là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à poser quelques végétations. Et ah oui, une petite chose aussi, pour ceux qui n'ont pas les photos des coups, vous allez dire, ah oh ouais, mais j'en ai pas, tout ça. Eh bien, c'est réalisable avec du blister. Je vous le dis tout de suite. J'en avais fait moi à l'époque avec du blister. Vous prenez du papier blister, vous le découpez des feuilles et vous allez obtenir ce genre de roseau. Alors j'ai préparé ça pour vous faire voir ce qu'on peut obtenir aussi pour mettre dans des socles jungle. Ça va tout seul, ça se travaille tout seul, ça se travaille bien. Alors une fois que vous avez collé ça, évidemment, vous les sous-couchez. Là, j'ai pas un sable rapide, hein, c'était pour vous faire voir. Vous coupez tous des petits morceaux comme ça, là, voilà, transparents. Hein. Vous venez les plier au bout, vous faites une petite pliure au bout pour venir le coller sur le socle. Ensuite, ben, vous les peignez, vous les sous-couchez et vous les peignez. Et voilà, la chose faite, vous allez avoir des plantes ben, tout à fait qui vont aller dans les socles jungle. D'ailleurs, celui-là va me servir par la suite. Voilà, je vais vous faire. C'était juste une petite anecdote pour vous dire que ça fonctionne très bien avec du blister. Comme quoi, il ne faut pas jeter ces blisters. Et je ferai peut-être un tuto aussi dessus, si ça vous dit, sur les plantes, comment décorer, comment créer ces plantes quand vous n'avez pas de tout et tout. Voilà. Il faut quand même un minimum. Hein. Alors ici, par contre là, ici pour l'instant, on va commencer à coller quelques petites touffes. Alors pour ça, j'avais préparé une petite touffe déjà. Hop, je vais en mettre une ici, hein, donner un peu de verdure. Alors n'importe quelle touffe fera l'affaire. Hein. Ce que vous avez, en général, moi, ce sont des touffes de chez Minisocle, car j'aime beaucoup ces produits. Hein, encore une fois, je vous conseille d'y aller, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, moi, je vais coller ça directement. Alors, c'est pas forcément, voilà, il faut savoir que ça va changer de teinte encore, hein, on va pas le laisser comme ça, en brut. Voilà, moi, je le laisse comme ça. Voilà. On va venir faire maintenant, on va commencer à coller nos plantes. Alors, on va prendre ceci. Alors, ça, c'est aussi la photo découpe. Il y a plusieurs modèles. Hein. Moi, je vais coller ça un peu sur l'extérieur, comme ça, parce que vous ne pouvez pas oublier que dessus, j'ai une figurine qui va venir. Voilà, donc je vais coller ça là, ici, au milieu, là. Voilà. Ça va aller très très bien. Voilà.
Ça a été peint de la même façon, hein. J'ai triché en rien, j'ai tout fait de la même façon. Ensuite, on va venir coller les feuilles. Alors normalement, elles sont pas comme ça. Moi, c'est moi qui les ai coupées, hein. Normalement, elles sont mises de façon, elles sont reliées entre elles, quoi que vous pouvez en trouver des toutes seules, hein, sans problème, hein. Mais voilà. Moi, j'ai préféré les faire moi-même. Après, libre à vous. Après, aussi une chose, quand vous l'avez, la feuille qui est plate, vous la mettez autour de votre comment? Pinceau, vous la pliez comme ça et vous allez lui donner une forme arrondie. Hein, tout ça, c'est voilà, il faut, c'est à vous de voir comment vous aimez poser vos plantes et compagnie, hein. Voilà. Ah, il va falloir que j'en mette un peu de colle. Comme c'est du papier, ça boit énormément. Voilà. 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 On va coller ça comme ça. Moi, je vais en mettre que 3. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. De toute façon, ça sert à rien. Le but, encore une fois, c'est de vous faire voir comment qu'on procède. Alors, les végétations, c'est important, hein. Quand vous faites des socles, par exemple, voilà, vous pouvez dire, ouais, mais ça ressemble. Non, il faut quand même regarder. C'est pour ça que je vous dis de regarder les photos. Parce que c'est important de voir ce que vous mettez aussi comme végétation. Étant donné que vous faites un socle jungle, il ne faut pas non plus que ça ressemble à un socle forêt. Il y a des plantes qui ne poussent pas forcément dans la même. Voilà. Après, c'est à vous de débricoler. Après, c'est à vous de donner des idées. Voilà, moi je vous donne une petite astuce, vous voyez. Voilà, on commence déjà à voir un peu le contexte, comment ça va se dérouler. Et après, c'est à vous de faire en sorte que, ben voilà, quoi. C'est l'imagination, hein. Et après, vous êtes libre choix, c'est vous qui voyez. Après, j'avais fait ça aussi. Alors ça, pareil, c'était dans la boîte. Enfin, dans la machin. C'est des feuilles de roseau, de longues tiges, qui poussent aussi dans les jungles. Et ben là pareil, hein, j'ai roulé ça moi-même, j'ai mis un peu de point de colle au bout, je les ai coupés, je les ai peints de la même façon, à part que j'ai changé un peu la couleur. Vous pouvez changer la variante des verres, hein, ça c'est pas un souci. Et puis ben, on va venir coller ça là derrière. On va faire un petit mélange. Vous voyez, hop, voilà, comme ça. Voilà. Que ça donne un petit effet quand même jungle. Et puis on va mettre éventuellement, on va peut-être pouvoir mettre une feuille morte sur le sol. Un petit décor supplémentaire, celle que je viens de peindre, voilà, par exemple celle-ci, voilà, par exemple, on va la coller au sol comme ça, ou alors on mettra peut-être autre chose, je sais pas, j'ai peut-être pas trop envie, oh, je sais pas, là il y a la figurine qui va venir se poser dessus, éventuellement on peut faire comme ça, on va poser une feuille au sol, voilà, je garderai les autres pour la suite, ça sert à rien d'en mettre trop, comme c'est pas un gros socle que j'ai fait, voilà. Alors, on aurait pu mettre aussi, le premier que j'avais fait façon temple. Hein. On aurait très bien pu mettre aussi, comment, avec comment dire, des morceaux de ruines temple. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. Pour le premier que j'avais peint, ici, j'avais collé des morceaux. Alors ça, ces morceaux-là, hein, pardon, c'était des morceaux que j'avais mis, que j'ai utilisés, de chez Gamergrass. C'est une boîte, il y a tout dedans. Ça coûte pas grand-chose, vous avez toutes sortes. Parce que je les ai pas fait moi-même. Vous les cassez, ça se casse comme du verre, c'est de la résine. Et hop, ça casse tout seul. Vous faites les morceaux que vous voulez. Et voilà quoi. Tranquille. Moi j'ai pris ça. Vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi je voulais donner une certaine variété au socle, sur chaque socle. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Voilà. Ceci dit, on va continuer. On va attendre que ça sèche quand même un peu. Je suis pas sûr que c'est bien sec. Ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter un tout petit peu de jus. Ou de lavis ou de wash, comme vous voulez. On va salir un petit peu les feuilles, parce que les feuilles sont pas un peu trop clean. Donc ce qu'on va faire, ici, on va prendre un peu de marron, que j'avais pris tout à l'heure. Hop, voilà. On va venir en déposer un petit peu ici, comme ça, là, en tapotant. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Hein. Vous tapotez, voilà, on va salir un peu tout ça. Voilà. 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 Et voilà, ça va bien se prendre dans les nervures, et ça bougera plus. On va faire pareil ici. Hop, au niveau des tiges, on va pas en mettre beaucoup, c'est pas la peine. On va étirer la peinture, voilà, hop, voilà, et voilà. On va assombrir un peu le tout, voilà. On peut en mettre ici un petit peu aussi à la base, voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Là, oh, je vais attendre que ça sèche un peu, et puis je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va venir faire quelques rayons.
avec du vert visqueux. Moi, c'est le vert, des trois verres que j'ai pris tout à l'heure, c'est le plus flashy. Un vert très flashy. Et on va venir rehausser un tout petit peu, voilà, les extrémités, comme ça, hop, voilà. Ici, voilà. Alors, peu importe la dilution, on s'en fout. C'est pas la peine de diluer trop de toute façon. Voilà, hop, hop. Alors, faut savoir aussi, quand vous allez vernir, vous allez encore durcir le papier. Alors, là, je peux vous dire que le papier, il est raide. Alors, la photo découpe existe aussi en métal. J'en ai aussi d'ailleurs en métal. Je vous ferai voir comment je travaille ça. Mais c'est un peu plus petit. Mais bon, c'est pas mal. En tout cas, ça donne beaucoup de vie au socle. C'est très réaliste. Vraiment, moi je l'ai en face de moi, on dirait du réel. Sans déconner. Hein. Et ben voilà, après, c'est à vous de voir. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur tous les socles non plus. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter quelques petits rayons aussi de par-ci par-là, de la même couleur, un peu partout. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, j'en ai mis trop là, c'est pas grave, on va l'enlever. Voilà. On va mettre un peu ici, hop, très léger. Voilà, et voilà. Voilà. Vous voyez un peu le style que ça peut donner. On est pas mal là, hein? On est franchement pas mal. On va donner une petite touche de couleur. Hein, oui. Et je vais rajouter une petite fleur. Alors, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien mettre ça voilà, dans le creux des plantes. Ça donne encore un côté, encore un tout petit peu plus exotique à l'affaire. Vous voyez? Hop. Voilà. Rien de bien extraordinaire. Ça donne une petite touche de couleur, quoi. Voilà, c'est sympa. Voilà. Vous avez vu? C'est nickel, ça va tout seul. En tout cas, ça a de la gueule. Alors, une chose aussi maintenant, ce qu'on va peut-être faire. Bah, je vais faire le pourtour du socle. Ça, on va le faire. Je crois que j'ai rien oublié. Je ne suis pas sûr. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais vous dire ça. Hop, voilà. Voilà, hop, je prépare mon pinceau, faire le tour. Non, je pense que. Ah si, j'ai oublié. Je vais poser ça. Alors c'est facultatif. Je vais utiliser un peu de pigment pour mettre sur le socle. C'est pas une obligation en soi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, c'est juste une idée que je me donne pour me donner un petit peu d'effet différent encore sur les socles. Je vais poser un tout petit peu de pigment. Léger. Alors pour ça, j'ai pris du. C'est pas du marron, c'est du vert. Je dis pas de bêtises. Je sais plus où il est. Je vais le retrouver, je vais vous dire ça. Je vais mettre en pause et je reviens. Car je ne le retrouve plus. A tout de suite. Alors, en fait, il était pas bien loin, il était sous mes yeux. Enfin bref. Alors, je vais utiliser du Green Earth, terre verte. Alors, c'est pas une obligation. Alors, pour ça, le pigment, vous y allez mollo. Hop, on trempe dedans. Je vais en mettre ici pour donner un petit peu de. Voilà. Je vais juste poser et tapoter. Vous voyez? Ici devant, là. Hop, voilà. Ça va donner un petit peu de texture à tout ça. Voilà. Comme ça. Je vais peut-être en mettre un petit peu derrière aussi, ici. Alors, j'en mets très peu. Hein. Très, très peu. Voilà. Voilà. Ça donne un petit effet en plus au socle, pas dégueulasse. Voilà, si vous n'en avez pas, c'est pas une obligation. Hein. À la limite, si vous avez même du vert et du marron, bah, vous le faites vous-même. Ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Voilà. Ce qu'on va faire aussi maintenant, on va rajouter des trois petits détails. Je pensais finir, mais on finit pas encore tout de suite. Deux, trois petits détails. On va ajouter ici à la base. À la base des palmiers, là, enfin, je sais pas comment on dit, là, des fleurs, des bananes, des fleurs de bananes, on va y ajouter la petite mixture qu'on avait mis au début, là. On va ajouter au niveau des pieds. Voilà. Vous savez, pour faire comme un. Vous avez vu, hein, tous des trucs morts, en bas des grosses plantes exotiques, vous en avez plein. En plus, c'est un cache-misère, c'est génial. Hop, on va mettre ici. J'en ai mis sur la feuille, ça, c'est pas cool. Voilà. Hop. On va mettre un tout petit peu là. Voilà. Et voilà. Comme ça, pas plus. Et ça, encore une fois, ça va venir donner un peu de vie encore. Voilà. À tout ce petit monde qu'on a mis dessus. Voilà. Alors là, on est quand même sur du socle un peu travaillé. Hein. Je ne vous le cacherai pas. On va mettre aussi 2-3 par-ci par-là.
Toujours pareil, pour donner un tout petit peu de vie, une petite goutte, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Hop, hop, et hop. Voilà. Frotter avec le doigt, on a peut-être un peu trop là. Voilà. Ça colle bien. Hein. En fait, la colle là, elle colle tous, elle colle tout. Elle colle bien les doigts surtout. Hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà. Il n'y aura plus qu'à passer. Je vais repasser un petit coup de noir sur les côtés. Et il n'y aura plus qu'à passer un petit coup de vernis. Et puis, ben voilà quoi. On y est. Voilà. Le tuto, il arrive à sa fin. Alors bien sûr, à vous après de bricoler encore. C'est encore une fois, c'est un socle, c'est pour donner une idée. Vous voyez? Là, on est vraiment sur un socle jungle. On n'est pas sur un socle forestier. Un socle forestier, je n'aurais pas utilisé les mêmes, déjà les mêmes plantes, et j'aurais pas utilisé la même façon de procéder. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura bien plu. Ah ouais, j'ai un remerciement aussi à faire. J'ai vu que ben, les derniers tutos, ben, j'ai pris pas mal d'abonnés. Ça m'a fait grand bien plaisir. Franchement, c'était vraiment super sympa. Et ça prouve que ben, ce que je propose, ça plaît. Ça m'encourage encore à pousser encore plus loin, bien sûr, hein, vous proposer plein de choses. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Franchement, ça fait vraiment du bien. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse bien fort pour ça. Ensuite, une petite anecdote, deuxième. Alors la deuxième, c'est simple, c'est la prochaine fois, ça sera pas un socle. J'avais dit déjà ça la dernière fois, mais là, ça sera pas un socle. La prochaine fois, on verra une peinture sur figurine. Je sais pas exactement quoi qu'est-ce, on verra. Ça sera la surprise. Et puis il y aura d'autres choses qui viendront par la suite, hein, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai préparé ça vraiment. Voilà, j'ai pris ça sur ma journée de boulot. Voilà. Je voulais vous faire voir comment je faisais un socle jungle. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Là, je suis vraiment dans mon atelier pur et dur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'en ai profité pour me filmer. Avec tous les défauts. Hein. Je n'avais rien préparé. C'était prévu que j'en fasse un. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que j'ai une commande à faire de ce côté-là, autant en profiter. J'espère que ça vous aura bien plu. Encore une fois, c'est qu'une idée personnelle. C'est un choix que je vous fais voir. Vous faites ce que vous voulez après derrière. À vous d'agrémenter. Hein, pas de problème. Hâte de voir si vous faites de socle de ce style-là. Ça me ferait bien plaisir. Et puis, n'ayez pas peur non plus de me mettre des commentaires. Je t'y répondrai franchement volontaire, sans problème dès que je peux. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Puis ben, je vous souhaite tous un bon week-end qui arrive et de belles réalisations, de belles peintures, hein, comme d'habitude. Et puis portez-vous bien, faites attention à la maladie qu'il y a en ce moment, protégez-vous bien, et puis voilà quoi. Allez, sur ce, grosse bise à tous, bonne peinture, et puis à bientôt. Salut, salut!